Je cherche le roi de cœur. Donc il n'y a que des piques, sauf le roi de cœur, la dame de cœur et le valet de cœur. Mais là, j'aimerais vraiment trouver du premier coup le roi de cœur. Donc je vais essayer de le sentir. Et vraiment, je ne veux pas que ce soit de l'élimination. Je veux vraiment que ce soit le vrai. C'est-à-dire, je vais faire un acte d'autorité. Alors, je vais imbiber l'ensemble de la table et de moi-même de couleur verte. Je me situe au centre, numéro 5, le centre de l'échelle de 10. Et je pense à une note de musique, c'est le sol, c'est-à-dire une note pas aiguë, pas trop aiguë, pas trop grave, vraiment au centre. Je suis au centre, je suis le numéro 5. Le numéro 5, c'est le chiffre de l'homme-dieu. Et je veux trouver le roi de cœur. Je veux avoir l'image du roi de cœur qui apparaît sur la carte. Alors soit je vois son image, soit vraiment je sens une petite impulsion intérieure, pas musculaire, hein, vraiment un petit déclic en moi qui dit que c'est là. Mais je préférerais une vision, évidemment. Donc là, je fais vraiment un acte d'autorité. Il est hors de question que je m'y prenne par élimination. Donc, je vais interroger les cartes et vraiment, je vais dire aux cartes. Tu me dis qui tu es. Tu cherches pas à faire le mariole en me disant que t'es le roi et puis que t'es pas le roi pour après trouver le roi. Je veux trouver le bon roi. Donc je fais du forcing là pour obtenir ce que je veux. Je l'ai déjà fait une fois et ça a marché. C'est pour ça que je retente là, sauf que là je fais une vidéo. Ça marche quand on fait du forcing dans la mesure où ben voilà, c'est nous qui décidons quoi faire. On est quand même le centre. On est fait à l'image de Dieu, hein. On est vraiment des petits dieux, quoi. Des petits dieux humains. Donc par rapport à la matière, par rapport à ce qu'on veut, même par rapport au règne animal, hein, on est vraiment supérieur, on est l'élément clé de la création. Donc je veux vraiment trouver le roi. Je dois sentir la carte où il y a le roi. Pas la reine, pas le valet, ni l'as, non, non, que le roi. Voyez, je sens que c'est peut-être là, mais je suis pas sûr. Hein. Je veux pas me gourer. Donc on va dévoiler ces trois cartes. Ah! Oh, c'était la bonne! Merci! Super! Donc vous voyez, je m'étais pas trompé. Celle-là, l'as, non. Celle-là, non. Vous voyez, ça a marché. Ouais, celle-là, non. Vous voyez, ça a marché. Vraiment, quand on fait un acte d'autorité, ça marche. Et en fait, je ne l'ai pas inventé ce système. J'ai lu un livre sur Gustave Aurore, et à un moment, il avait demandé à ce qu'un objet, je crois, un buste, un objet assez lourd, se déplace d'une table à une autre en volant. Et il n'y arrivait pas. Et...